On commence. Donc je pense qu'il y a pas mal de latence ce soir, donc ça va être un peu compliqué pour discuter. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis branché sur la box. Donc voilà, on va faire de notre mieux. J'ai mon chargeur d'ordinateur qui déconne, ce qui explique le dang-dang que vous entendez de temps en temps. J'espère que ça va pas être trop gênant. Et c'est parti. Donc voilà, je suis là, je baisse un peu la musique. Désolé pour le bruit de l'ordinateur que vous entendez. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Vous me voyez pas, c'est normal. Voilà, là vous me voyez. Et vous voyez le chat en direct, normalement. Oula, ça fait du larcène, je baisse un peu mon micro peut-être. Oh là là, c'est chiant ce bruit. Attendez, j'essaie de voir dans mes... Si je remets mon câble différemment. J'arrive, je suis à vous tout de suite. Voilà, donc là ça a l'air d'aller. Jusqu'au prochain dang. Ouais, voilà, donc non, ça va pas. Donc qui est là? Donc il y a Cyril, Omar, ils sont là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis tout à l'heure? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, on va commencer déjà par regarder vos photos que vous nous avez faites pour le débrief de cette semaine. Du coup, ceux qui ne sont pas à l'heure, tant pis pour eux, ils verront la rediffusion. Ah, juste une seconde, j'ai oublié que je devais envoyer le lien de la vidéo à ma maman qui voulait venir. Je fais ça, j'en ai pour une seconde. Ça va arriver. Une seconde. Elle est où ma maman? Elle est là. Je lui envoie le message. Voilà. J'avais oublié. Désolé maman. Donc c'est parti. Donc on va commencer, donc comme vous voyez, avec la photo de Omar. Alors, ah non, bah attendez, il faut que je mette pause. Parce que, voilà. Donc on commence par celle-là qui a été faite par Fleur. Donc Fleur a très bien réussi l'exercice. Il y a même plusieurs lumières, plusieurs voiles, plusieurs petits bokeh, comme on appelle ça. C'est plutôt sympa, j'aime bien. C'est un peu sombre, mais voilà. Désolé pour les ding-ding, pour ce carré, je vous le dis. C'est indépendant de ma volonté, c'est mon chargeur de portable. Attendez, je vais le débrancher. J'espère qu'il y aura assez de batterie pour finir le live. Bon, de toute manière, ça dure pas vraiment très longtemps en général. Ah, coucou Fleur, tu viens d'arriver, donc je sais pas si tu as entendu ce que je disais de ta photo. Je disais qu'elle était plutôt bien réussie, quoique un peu sombre, mais c'est un style. En tout cas, l'exercice est parfaitement rempli, bravo. Donc ensuite, on va passer à la photo de Omar qui nous a fait une jolie traînée lumineuse de plusieurs couleurs. Tu peux... Quoi, traîner, pardon. Voile lumineux un petit peu. Tu peux nous dire un petit peu comment t'as fait peut-être, Omar, dans le chat si tu veux. En attendant, on va peut-être passer à la suivante où j'attends que ça réagisse un petit peu du côté d'Omar vu que je sais qu'il est là. Je te vois dans ton lit là, bien à...
Mais je t'en prie, Fleur, quand c'est bien, il faut le dire. On ne dit pas que quand il y a des problèmes. Donc vous voyez, là, j'étais un petit peu à la bourre, j'ai pas pu bien faire joli le chat comme d'habitude et mettre quelque chose dans mon dos, c'était un peu trop compliqué. Là, j'étais hyper à la bourre. Et oui, je rentre du cinéma, je viens de voir le nouveau Disney qui est pas mal d'ailleurs, Encanto. Voilà, un chouette moment en famille, n'hésitez pas à y aller pendant les vacances. Bon, Omar, pas de réaction, ou alors je la vois pas encore, donc on va passer à la suivante. Donc suivante, c'est Anne-Catherine. Alors Anne-Catherine, j'ai comme l'impression que tu n'as pas saisi l'exercice, même si la photo est super bien. À part peut-être ce qu'il y a en bas à droite qui me gêne un petit peu, il y a une espèce d'ombre et tout qui me gêne un peu. Sinon le reste est très bien, mais ça, je pense que ça répond pas à l'exercice. Ah voilà, donc Omar. J'ai fait ça avec mon rideau qui m'a servi de fond noir. D'accord, merci Omar pour la précision. C'est ce qu'on voulait savoir à peu près. Voilà, donc Catherine, quand tu verras la vidéo, je suis désolé, ça répond pas vraiment à l'exercice, mais la photo est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire dans le chat, nous donner vos... Avec mon appareil photo et un flash de téléphone. Oui, ça on s'en doute un petit peu, vu que c'était un peu ce que j'avais fait dans la démo. Voilà, donc Catherine, belle photo, mais ça ne répond pas trop aux consignes, j'ai l'impression. Ou alors tu nous expliqueras. Mais dans le chat, vous pouvez toujours dire ce que vous pensez des photos. Il n'y a pas que mon avis qui compte. On est une asso, on est un groupe. Donc tout le monde a droit à la parole et à tout dire. Ensuite, on a la photo de... Je ne sais plus. Ça vient de Cyril. Le rideau, il rajoute des reflets. D'accord. Merci Omar pour la précision. Donc, Cyril a très bien répondu à la consigne. Mon avis, c'est un bout de sapin, j'ai l'impression. Et j'aime bien le côté rouge et tout, ça fait un petit peu Noël, un petit peu flippant aussi. Donc, très belle photo, l'exercice est bien réussi. Manque peut-être un peu de netteté, mais bon, on a l'habitude, Cyril, tu m'as compris. Non, mais sinon, vraiment, belle photo. Ça peut même faire penser à un incendie si on se creuse un peu la tête. Et voilà, c'est tout, on a fait le tour. Donc Fleur, je pense que tu avais entendu de ce qu'on disait de ta photo. J'adore ces flamboyants. Oui, tout à fait, Fleur. C'est ça qui est marrant sur cette photo, c'est que ça fait assez flamme. En fait. Ouais. Mais sinon, vous êtes tous bien débrouillés. Ah, je sais pas si vous avez entendu mon voisin qui bouge ses tables, ses chaises, évidemment. Voilà, donc là j'aimerais juste finir ce débrief par une mauvaise nouvelle pour ceux qui participent à nos ateliers du lab le mardi. Alors attendez, je me mets voilà en plus grand. Donc c'est-à-dire il n'y a que Cyril qui est concerné là dans le chat, mais les autres verront la vidéo sûrement. On a un petit mot de notre bureau qui s'est réuni par rapport à nos nouvelles au nouveau. Aux nouveautés concernant l'épidémie que vous connaissez tous et qui nous apporte chaque fois son lot de mauvaises nouvelles. Du coup, je vais lire le mot de notre présidente qu'elle a écrit pour vous. Alors, donc, de sa part, malheureusement, en raison du contexte sanitaire, nous préférons ne pas prendre de risques pour la santé des adhérents et suspendre donc temporairement les ateliers du lab. Donc ce sont nos activités qu'on fait tous les mardis dans un théâtre avignonnais qui s'appelle Artéphile. Donc ça, on va devoir le suspendre. Par contre, on va continuer tout ce qui est balade photo, les choses à l'extérieur. Tant qu'on a le droit, on va le faire. Donc elle nous dit que ça sera le temps donc de voir comment la situation évolue. Nous souhaitons que cela ne soit pas trop long et vite revoir nos sympathiques et fidèles adhérents. Et nous restons donc en contact via les défis sur la chaîne YouTube. Donc là, on va continuer les défis. Et via nos différentes pages. Facebook, le site, le Instagram aussi. Et elle vous souhaite, et toute l'équipe vous souhaite donc une bonne santé, de bonnes fêtes et une bonne fin d'année.
Et on se retrouvera, j'espère, pour le mieux, au mieux possible, pour les ateliers du lab. Donc, c'est triste à vous dire, mais voilà quoi. Donc, on suspend pour le moment et on reprendra quand la situation sera un petit peu plus claire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo qui finit pas sur quelque chose d'optimiste. Mais sinon, sachez que la prochaine balade photo, logiquement, si les conditions sanitaires le permettent, aura lieu le deuxième dimanche de janvier et pas le premier cette fois-ci. Car le premier, ça tombe le 3, je crois, donc ça sera celui d'après, donc le 10. Voilà, on va bientôt mettre le lien sur le Facebook et sur le site pour pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Sinon, n'oubliez pas que vous avez encore le défi sur les... C'était quoi déjà le dernier défi? Est-ce que quelqu'un peut me le dire dans le chat? On va voir si vous suivez. Parce que je sais que Cyril l'a fait. Bon, allez, je ne vais pas attendre, vous faire poireauter plus longtemps. Donc, sur les quatre points cardinaux, c'est-à-dire prendre la photo des quatre coins. Donc, n'hésitez pas à faire le nouveau défi. Vous avez jusqu'à lundi prochain, qu'on débriefera bientôt. Donc, là, c'est mercredi prochain, vous aurez un nouveau défi à faire. Donc, chaque fois, vous aurez à peu près 2 semaines pour faire chaque défi. Ça laissera à certains et certaines qui n'ont pas le temps de le faire, vu le précédent délai, de pouvoir mieux faire et pouvoir faire pour ceux qui n'avaient vraiment pas le temps. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Je ne vous dis pas adieu. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, je vous laisse encore un petit peu le chat, le temps de finir. Et moi, je vous dis au revoir et je coupe ma caméra.